Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode sur Lone Survivor, qui est un jeu apparemment de survie. Alors, si vous voyez, c'est du pixel art, hein, en quelque sorte. Je ne connais pas du tout ce jeu, je ne me suis pas renseigné dessus, j'ai pas voulu me spoiler, me dévoiler la trame du jeu. Bien que je l'ai dans mon répertoire Steam depuis un petit moment, j'ai décidé de le faire avec vous. Alors par contre, il sera tout en anglais, donc je vais faire une traduction à la one again, comme d'habitude. Et puis, écoutez, on est parti, donc ce sera le premier let's play secondaire. Le deuxième, ce sera du coup Contraste, parce qu'ils sont arrivés ex aequo dans les sondages. Et le let's play principal sera The Witcher 1 et 2, voilà. Donc écoutez, on est parti, donc on presse X. Alors, j'avais fait un test d'enregistrement pour voir comment ça se passait. Voilà, alors pour l'instant, on n'utilise pas la souris, on utilise juste le clavier. Ça va être assez sympa. Donc, petit jeu de survie en pixel art. Une dernière chose, choisissez la phrase qui vous décrit le mieux en tant que joueur. Notez que ce setting, je sais pas le mot en français, c'est terrible, ne peut pas être changé une fois choisi. Donc, le truc c'est que soit on joue en normal, j'imagine, soit on joue en difficile. Je connais pas du tout le jeu, mais je suis pas effrayée, c'est ça le truc. I am new to this and I'm scared, je suis nouveau pour ça et je suis effrayée. Je connais mon chemin, on va mettre le premier alors. Ouais, normal mode. On va rester soft, hein. Puis. Donc, my name is... Est-ce que je peux le taper? Non. Non, ça marche pas. Bon, alors, is. Mon nom est... N'est pas important, n'est plus important, j'imagine. Il faudrait que je sache depuis combien de temps je suis ici. Maintenant, je n'en ai plus aucune idée. Avant, je savais depuis combien de temps j'étais ici, mais maintenant, je n'en ai plus aucune idée. Ça fait un moment depuis que l'épidémie a commencé. C'est tout ce que je sais. Hold up. Alors là... Je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, il y a des bruits à l'extérieur, les bruits des choses, des monstres, j'imagine. Comme vous les appelez. De ce que je sais, c'est... Je suis le dernier qui reste. Ah, je suis le dernier survivant. The Lone Survivor. Le survivant solitaire. Il pense qu'il pourra pas continuer plus longtemps parce qu'il est, il a presque plus de réserve. Et s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un d'autre de vivant dehors, j'ai besoin de le trouver, ou de les trouver. S'il n'y a rien, je ne veux pas mourir tout seul. Eh bien, ça m'a l'air un peu dépressif, monsieur. Ok. Donc, on bouge, voilà, avec les flèches du clavier. Donc j'imagine qu'on doit avoir une petite lampe sur nous pour qu'on ne voit pas tout. Tiens, ça commence. Interact avec X. Les fauteuils. Ah si! C'est juste un fauteuil. On dirait un double expresso. Ouais, vas-y, bois-le. Ah, c'est super. Délicieux. Je suis morte. C'est ça? J'aurais peut-être pas dû le boire. J'ai l'impression que je peux entendre quelque chose. Par là. Le monsieur, là, je... J'aurais bien voulu lui parler avec sa tête dans le carton.
Oula, ça craint. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je voudrais me casser, je voudrais me casser, je voudrais me casser. Ouais, t'essaies de me parler, mais je comprends pas, monsieur, t'es encrypté là. Oh, damn! C'est une de ces choses. Je ne crois pas qu'il puisse me voir. Attends. On dirait qu'il y a un point pour se cacher juste derrière. Je vais voir si je peux passer mon boost dé. Jusqu'où il va? Jusqu'où il va? Non mais va te cacher, va te cacher. Oh. Putain, il marche plus vite. Hein. Mais va. Je croyais qu'on pouvait se cacher. Bon, apparemment non. Eh ben, on va aller dans l'autre sens, c'est pas grave. Hein. Ou pas. Tu veux pas te cacher derrière les rideaux, non? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des trucs? Non, visiblement on n'a rien. Ça c'est le gamma. Ah bah oui, bah non, mais je m'en fous ça du gamma. Dégage. Non, je veux pas. Ah bah si, je l'avais mis à 6. D'accord. Ça commence bien, hein? Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que je... Je vérifie mes touches, hein. Aspiration. Mais je m'en fous de ça. J'essaye un petit peu toutes les touches. Bon, visiblement pour l'instant, j'ai que les... Les flèches. On va quand même passer. Non, 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 mais lâche-moi. Je croyais que tu me voyais pas. Du coup, hé oh. Non, 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 fous-moi la paix, fous-moi la paix. C'est mal barré. Essayez pas trop s'en approcher. Oh d'accord. Bien, bien, bien. Il faut que je passe au travers. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Bonjour. C'est une fille, bon. Salut. Surtout me répond pas. Hello. Ça va? Qu'est-ce que tu portes là dans les mains? Ah oh, oui, pour rien t'idée, oui. On dirait une... Ah, c'est une lampe de poche. Une sorte de lampe de poche. On va essayer de l'allumer. Ouh, bah... D'accord, premier jour. Oh putain, ma tête. J'ai une saleté de mal de tête. Ah, et terreur nocturne, ça fait chier. C'est pas mieux que le jour. Hé, hey, salut lampe de poche, mon vieil ami. Il est temps d'affronter le monde extérieur. Ah. C'est... Ouais, d'accord, c'est des pilules, petites pilules. Alors, espace pour l'inventaire. D'accord. J'ai une flashlight qui est à 100%. Ça, c'est la radio. Non. Voyons voir si je peux avoir quelque chose. Nous, les survivants, prions pour... En 2003, je sais pas combien. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Ah non, c'est 203 tout simplement. Je me demande si je peux...
Si j'ai un peu ravi au 203. Peut-être qu'il y a quelqu'un de vivant là-bas. Il y a quelque chose écrit sur la porte en faux chêne ou... oui, bah vas-y, lis. Alors, voyons voir. D'accord, weapon mode. C'est quoi? C'est le C, c'est ça? C'est un C? Ouais, ça a l'air d'être un C. Donc, marché... Voilà, en gros, c'est assez simple au niveau de l'inventaire, de... Des contrôles, X pour interagir. Ah, pour tirer aussi, apparemment. C pour choisir l'arme. Les flèches pour se déplacer et la barre d'espace pour l'inventaire. Ok. To save your game, use the button. D'accord. Alors F, ce sera la flashlight. Et reload avec le R. Bon, d'accord. Et M pour map. Bon, c'est logique. Ça, c'est le gamma, l'aspect. Q et W. Mais je sais pas du tout ce que c'est ça, l'aspect. Expert mode. Non ? alors là, apparemment, c'est des limit flares, ça doit être des comment on appelle ça, des lumières là, des oh, ben j'ai perdu le nom, des trucs de survie là. Le 2, c'est de la bouffe avariée, et le 3, c'est pour des potions de soins, d'accord. Donc, d'accord, là j'éteins, là j'allume. Bon bah là j'éteins parce que j'en ai pas besoin. Ah, alors soit j'ai le truc de... je sais pas qui c'est. C'est un manteau, je sais pas qui il est. De la batterie, ça c'est bien. Un miroir sale. Ouais, vas-y. Je vois rien de spécial. Attends. On dirait que ça veut m'emmener vers un autre endroit. Mais ça ne sait pas où ça va être. Je ne sais pas où est cet endroit en fait. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, c'est un ascenseur? D'accord. Moi, je rentre chez les gens. Eh oui. Ah, j'ai la clé de la 206. Je me serais assis si j'avais une bonne raison de le faire, mais visiblement il est pas fatigué, donc ça c'est le frigidaire. Qu'est-ce que ça sent? Même avec mon masque, ça me donne la nausée. Bon, vas-y. Je peux même pas toucher, je peux difficilement y toucher déjà. C'est de la viande pourrie. Je vais en prendre 6 morceaux. C'est le plus que je puisse porter. D'accord. Stove, je sais pas ce que c'est. C'est... Ah, ben oui, mais c'est... D'accord, il y a plus de gaz dedans, mais c'est la gazinière. Il faut que j'en trouve plus. Un truc à base de poil de chat ou je sais pas quoi. des morceaux de papier, ben oui. On m'a sur du mal. Bon, ben, ah, si, tu veux peut-être le lire? Non, je voudrais ça. Et comment on le lit? Ah, voilà. Non, 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 je voudrais faire ça. Voilà. Alors, page 1. Je peux plus faire confiance à aucun d'eux maintenant. Tous ces bâtards peuvent mourir, peuvent crever. Il n'y a qu'un seul moyen de survivre à ça. Et c'est de se mettre une balle dans la...
dans leur tête. C'est de leur foutre une balle dans la tête. Tout le monde sait que ce que je dis est la vérité. Donc essayez pas de le nier plus. Je vais attendre avec les survivants. Il y a un nom au-dessus. Draco. Enfin non, en bas. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les autres survivants, s'il y en a encore. Donc là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus de gaz. Donc là, on va ressortir. Ah. Je ferais mieux d'aller me coucher avant d'y aller. Je vais pas oublier ce que je suis en train de faire. D'accord, mais par là, il y a quoi? C'est fermé. Il a besoin d'une clé. D'accord. Eh ben alors, on va s'en garder. Voilà. Ah, il pense que s'il va dormir, il va oublier sa vie passée. Oui, ben, dors quand même. Je sens que c'est trop tard pour ça. Mais non, c'est pas trop tard. Jour 2. Ah, j'ai besoin de ça. J'en avais besoin. D'accord. Et allez, suite de secours. C'est fermé. Il a besoin d'une clé pour l'ouvrir, donc je suis forcément obligée de passer par l'autre. Par ici. Ok. Nous sommes à l'extérieur. On va prendre une carte. Ok. On dirait qu'il y a déjà quelque chose de marqué dessus. Alors voyons voir. Voyons voir. Spécial, d'accord. Là où il y a un lit, c'est ici. Là où il y a un lit, c'est jaune. Moi, je suis le bleu. Il y a un truc de spécial là où ça clignote, là où il y a un point d'interrogation qui clignote. Il y a un miroir. Tout ce qui est ouvert, c'est en vert. Ce qui est fermé, c'est en rouge. Et ce qui est bloqué, c'est des pointillés. Donc ce qui est fermé, ça doit pouvoir s'ouvrir à un moment donné, j'imagine. Donc là, je suis dans le 203. Ah non, je suis dans le 206. Il faudrait que j'aille au 203, apparemment. C'est là où vit Cheese. Je sais pas comment ça se prononce. Pourquoi quelqu'un aurait mis une marque dessus? Bon, je vais essayer quand même. Ok, donc si je fais M, je ressors. Ah, super! Cette lettre a été accrochée à la map. Oui, bah lis-le maintenant, hein, donc à faire. Ne partez pas sans carte. Même si vous connaissez votre chemin, les choses n'arrêtent pas de changer, vous verrez. Cependant, je connais un moyen d'aller plus vite, de passer très vite à travers ces choses. Je me suis rendu compte qu'elles étaient attirées par les trucs en décomposition. Donc du coup, je laisse de la viande pourrie par terre d'un côté et je vais me cacher d'un côté d'un endroit où on peut se cacher. Ensuite, bah, je me planque et ils passent devant moi. C'est le meilleur moyen de les éviter. Bon, il n'y a pas de signature. Est-ce que je peux passer? D'accord, donc ils ont tout fermé depuis l'épidémie. Donc, on va y aller tout doucement. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas très bien le voir. D'accord, ouais, donc il faut juste ta flashlight. Hey, Chuck! Ah, t'as l'air bien, Chuck. Monsieur Chuck? Ça va, monsieur Chuck? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah, c'est la plante.
D'accord, il parle à une plante, lui, il a bien compris, c'est pas grave. Ouais, mais là, tu te planques. Donc, en gros, si je fais ça. Flashlight. Ok, d'accord, je vais. Cache-toi, voilà. Bien, donc il y a un zombie ici. C'est fermé. Bon, bah, je devrais essayer plus tard. Je me demande s'il y a quelqu'un. Ah, là, c'est ouvert. Alors, attendez, sur la carte, je suis où? Je suis dans l'appartement juste à côté. D'accord, donc il va y avoir un truc de fermé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Je peux pas voir dans le noir. Ok, allume ta flashlight. Il y a des bons bouquins dans cette collection. Putain, il y a il y a de l'orage dehors. Bon, il y a des monstres pas loin. Je pense pas que ce soit une bonne idée de se coucher maintenant. Ah, il y a une vieille note. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, hold the letter. Vas-y. Donc ça, c'est ce qui était accroché à la carte. Mais ça, je l'avais lu, il me semble. Alors, la note. Je vous avertis. Ah, d'accord, il faut surtout pas écouter Draco. C'est un danger public. On pourrait avoir besoin de se défendre quand il n'y a pas d'autre solution. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a d'autres moyens de résoudre les problèmes sans la violence. Pensez à ça. Il n'y a pas de signature non plus. D'accord. Ah, des chaussures. On va peut-être étendre la. Voilà. Ok. C'est creepy. Sur la map, je suis où? Je suis passé de la salle de bain. D'accord. Les toilettes. C'est dégoûtant, mais tu m'étonnes. Il y a un trou dans le mur. Oh, c'est juste mon imagination. Qu'est-ce que c'est, bordel de merde? Pour l'instant, forget it, hein. Je serais trop dingue de passer par là. Je veux même pas imaginer comment c'est arrivé. Bon, on va quand même prendre le trou dans le mur. Bon, c'est bon, y a rien. Y a rien se passer. T'es sûr? Non, mais pourquoi je suis partie par là? D'accord. D'accord. Ok, tout va bien. C'est bizarre. C'est bizarre ça, vous savez? Mais c'est une grande pièce ou c'est quoi? Je suis nulle part. Ah bah c'est pas mal ça. Je suis dans les méandres ascendables. Pleine de microbes de l'oubli. C'est bizarre ça. Et on va loin comme ça? Oh. J'aurais peut-être pas dû. Il ralentit. Ah bah c'est... D'accord, ça ramène à son appartement. Ah, c'est un cœur. Et non, il veut manger! Ne mange pas, toi, oh, fous-moi la paix. J'ai pas eu le temps de lire, du coup. C'est dégueulasse.
Mais j'y vais quand même, mais je sais pas si... Je pense pas que ce soit une bonne idée en fait. Je suis fatiguée. J'ai pensé que ça allait jamais finir. Tu m'étonnes. Ah, il y a un autre miroir. C'est comme celui de son appartement. Il y a un truc à squeaky qui... Ouais, vas-y. Je vois rien de spécial, attends. Ça m'a ramené au premier miroir. Voyage super. Du coup sur 4 je suis où? Ok. Bien, 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 bien. On va avancer encore un petit peu. Et je peux rien voir. Bah oui, oui, oui. Ah, parce que j'avais plus de batterie en plus. Bon, et bah éteins la lampe. T-Dog, espèce de chacal. C'est trop sombre. C'est des crackers? Waouh, on va pouvoir manger. Tu veux jusqu'où là, monsieur? D'accord, je viens de là. T'approches pas trop. Allez, dégage. Je suis où? Je suis... Ah oui, c'est que là, ça sera bloqué. On va bien voir. Alors, nous sommes où? Nous sommes de ce côté-là. En fait, il faudrait que j'avance encore pour arriver dans la chambre. Ah, putain. Il va falloir que je passe celui-là. Je pourrais pas juste me cacher et passer par derrière. Peut-être que si. Faire comme l'autre. Hop là. Ah, j'aurais pu mettre de la bouffe, mais en même temps, je pense que je dois pouvoir passer sans l'utiliser comme ceci. Voilà, oup là. Ah, le numéro a été enlevé. Je devrais essayer plus tard. Je pense que c'est la chambre 204, mais... Ah, j'y suis arrivée. Donc, ça, c'est la sortie de secours est. Ok, donc là je pourrais pas descendre par la sortie de secours, donc il faut que j'aille tout droit, hein, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Ah merde, c'est pas le gamma je m'en fous. Ils ont été détruits, il n'y a pas de moyen de descendre par là. Je vais falloir que j'essaye par l'autre côté du building. Ouh. Donc là, voilà, la prochaine porte il faut que je la prenne. C'est bizarre. C'est l'appartement de Cheese. Cheese, je sais pas comment. Oh, jolie peinture. On dirait New York. Bien, il y a une peinture ici. C'est une de ces photos noir et blanc d'une usine. Non, je voulais pas sortir. Non, 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 rentre dedans. Je vais pas aller dans leur chambre maintenant. Putain, il y a du monde. Mais ils vont bien, ils sont en train de... j'ai besoin de bouffe. Ils font la java et quand il y a des zombies dehors. Bah ouais, mais non, moi j'aimerais bien manger. Ah, je vais pas vous laisser sortir maintenant, pourquoi pas. Bah tu sais pourquoi. Parce que tu veux me bouffer.
Salut! Tu as ramené sa poupée? Je vais pas parler de ça. Parler de quoi? Jusqu'à ce que tu montres que tu peux le porter, tu peux t'en occuper. Allons parler de ça plus loin. J'ai rien d'autre à te dire d'ailleurs. Ok. Bon, la traduction est pourrie. Hein, pensez que c'est sûr de faire la fête ici? Ah, je me sens vachement en sécurité, moi. Il y a des monstres dehors. Vous avez dû les voir. Ces vilaines créatures là dehors. Oh, détends-toi, une minute, non. Essaye de te sauver. C'est bon, je suis en sécurité, je t'assure. Ça fait depuis combien de temps que t'es ici? J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Parlez-moi, s'il vous plaît. Il faudrait vraiment que tu te calmes. Hein. Ça va pas te faire du bien de t'exciter comme ça. Ouais, de t'inquiéter à ce point. Pourquoi t'écoutes pas? Vous allez mourir! Oh, c'est bon, on est passé au travers. On se connaît. Benzido, c'est votre nom, non? Bah tout va bien avec ta mémoire. Je pense que tu devrais rentrer chez tes parents maintenant. Je pense pas que ça aide. Ah, très drôle. Mais tu ne riras pas longtemps. Ils vont venir ici, vous allez voir. Ah bah, les fêtes ont toujours besoin d'invités, hein, petit homme. Ça serait pas une partie sinon. Une party. Et Kenny? Oh mon dieu, ils ont pas encore tué Kenny? Mais qu'est-ce que vous faites à rester assis là par des moments pareils? C'est une super partie, n'est-ce pas? Non mais une super partie. Mais ça va pas, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit super partie! Mec. Non mais vous êtes fous, il y a des monstres au dehors. Vous en êtes pas rendu compte de ce qui se passe dans le monde là? Oh bah non, rien. Mis à part la merde habituelle, quoi. Ah bah on s'en fout, allez, d'accord. Ah, ça m'ennuie que vous voyez pas tout ce qui se passe. Ouais, bah, combien vous êtes? Les petites merdes là, à rien voir et à faire les. Oui, il écoute la basse sur la musique, d'accord, super. Waouh, moi ça me fait des trucs. Bon, ok, j'abandonne. Et Shai, tu veux pas parler? Salut. Rapporte-moi sa poupée. D'accord, j'ai pas. J'avais pas un truc. Si! Un chat en peluche! C'était ça. Il veut parler au chat en peluche. Oh, c'est un joli petit chaton. D'accord. Tout va bien. Je me sens pas prêt de lui donner en fait. Je suis pas encore prêt. Non, non, pas maintenant. Peut-être que dès que je me sentirai mieux. J'ai tellement faim. Ok, bon. Eh ben, on va aller dormir un coup. Et puis, on va se quitter là-dessus. Du moins. Ah, oh, j'ai faim. T'as faim. Ah, t'as faim. Ah, il a faim. Je vais peut-être lui donner à manger. Squid stick pour. Des crackers. Des crackers, mange des crackers. Ça va mieux? Oh, c'est croustillant. J'ai rien besoin de la salle de bain. Ah, j'ai une espèce de poupée, de vieille poupée bizarre. Ça y est, je l'ai trouvée. c'est juste des bouquins et quelques papiers dedans.
Ah, ça a besoin d'une touche féminine. Ou non, il y a une touche féminine. Qu'est-ce que c'est? Oui. Oh, ça sent le parfum. Donc j'ai pas regardé dedans. Bah pourquoi pas? Il y a plus de boules dedans? Je les aime pas. C'est des trucs sans bon là, des boules sans bon. Je préfère penser à ça plutôt qu'à autre chose. Bon d'accord, il veut pas aller dans la salle de bain. Mais il n'y va pas. Non, on sort pas. T'as raison. Ouais, il y a personne. Mais il y a la musique qui joue. Ben oui, tu les as vus. Bon, donne-lui sa poupée. Qu'on en finisse. Look at, oui. C'est une chose pourpre et crasseuse, pleine de poussière. Ça me fout les jetons. La give. J'ai besoin de trouver la bonne personne. Ben, c'est elle la bonne personne. Salut! Ah, bah je vois que tu le portes, tu l'as apporté. Donne-le-moi. D'accord. Allez, vas-y, prends-la. Merci pour ça. Je sais que ça a été dur pour toi. Bon, je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu vois pas, hein. Bon, bah j'ai de toute façon ce que tu demandes. Rejoins-moi à l'extérieur quand tu es prêt. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais bon, pourquoi pas. Ok, on va essayer de sauvegarder. On peut pas. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Et puis, on va se donner rendez-vous au prochain épisode. Donc moi, je vais tourner le second tout de suite après ça, hein, parce que je peux pas sauvegarder. C'est couillon. En tout cas, voilà un jeu qui s'annonce assez intéressant. Alors bon, je suis désolée pour la qualité un peu merdique des traductions, mais voilà, c'est du... C'est une traduction à l'arrache, hein, comme je vous avais prévenu. Faudra que je vois quand même s'il n'y a pas moyen de le mettre en français. Bon, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous donnera envie de regarder la suite. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.